Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. And don't you come back. Oh, baby, please. And don't you come back no more. On avait réglé quelques petites affaires à régler, pardon. Auriez-vous des nouvelles concernant l'affaire? Attendez. Bonjour Cooper. Ah, tu vas bien mon cher Sterling? Mais très bien, très bien. Oui, excuse-moi, j'étais au téléphone avec le client. Je lui rappelais que nous avons classé 2 affaires sur 3 en sa faveur. Oui, donc voilà, il nous appellera une fois disponible. Comment vas-tu? Mais moi je vais en pleine forme, mon cher Cooper. J'ai très bien dormi dans ce garage, très étonnamment. J'ai reçu. Est-ce que monsieur Tanaka te dit quelque chose? Non, c'est japonais. Je ne connais pas de japonais, mon cher Cooper. Il souhaiterait nous voir. Il m'a dit nous devons nous voir. Devons-le. Devons-le. Oui, nous devons. Alors attends, bouge pas. Ça serait bien qu'on donne rendez-vous à notre bureau un jour. Attends, je vais essayer de l'appeler. Ce client m'a l'air fort pressé. Ah, il est là. Attends, bouge pas. Oui, mon petit Sterling, est-ce que tu peux appeler le client dont on a géré 2 affaires sur 3 pour oui, bien essayer sûr. Je l'appelle. Pour essayer d'avoir, mine de rien, un petit 60 000 dollars, hein, tout de même. On a quand même réglé 2 affaires sur 3. J'ai pas son numéro. Je vais te le donner. Alors, il faut faire vite, il faut de quoi noter. Est-ce que tu es prêt à noter? Il est en entretien, il nous rappelle, nous dit-il. Voilà, c'est noté. Je vais appeler ce monsieur. Ah! Bonjour monsieur. Oui, vous faites bien. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir monsieur. Vous êtes monsieur Cooper, c'est ça? Exactement, monsieur Cooper du bureau Sterling et Cooper, avocat au gros barreau monsieur. Très bien. Vous avez loué un appartement. Vous aviez loué un bureau. Oui, exactement monsieur. Vous aviez des soucis apparemment? Ah, nous n'avons aucun souci, voyons. Pas de souci. Avec qui donc? Dites-moi. Je vais me présenter, je suis Jackie Tanaka, je suis le patron d'agence immobilière. Enchanté, monsieur Tanaka. Donc moi, avec mon employé, j'avais demandé à ce que vous ne payiez rien à condition que vous me présentiez en tant qu'avocat. Oui. Avez-vous besoin de nous? Actuellement, non. Par contre, il s'avère que vous défendez quelqu'un que j'avoue que je n'ai pas dans mon cœur. Très bien. De qui parlez-vous, monsieur? Allez-y, franchement. Nous avons une déontologie, rien ne sort d'ici. Du banquier. Le banquier, clairement. Et il s'avère que vous le défendez actuellement sur une affaire qui me touche parce que c'est des amis à moi. Donc. Sont des amis à vous, monsieur Tanaka, ce n'est pas vous. Oui, mais de savoir que mon avocat défend quelqu'un que je n'apprécie pas et qui défend contre des amis à moi, ça me gêne un peu. Je comprends bien, monsieur, mais nous faisons respecter la loi et nous le faisons bien, monsieur Tanaka. Vous serez toujours ravi de nous avoir à vos côtés, monsieur. Nous arrivons à l'agence immobilière dans quelques minutes, monsieur Tanaka. Parfait. Je vous attends. À tout de suite. Alors, qu'en est-il, mon cher Cooper? Alors, monsieur Tanaka est le patron de l'agence immobilière qui est un petit peu frustré que nous protégeons dans l'affaire le banquier qui est un ennemi de ses amis. Sauf que, mon cher Sterling, nous avons une déontologie, nous sommes avocats d'excellence, n'est-ce pas? Et bien sûr. Nous devons sortir et avoir de l'argent, donc nous devons accepter cette affaire tout de même. Il va falloir donc faire comprendre à monsieur Tanaka. Que c'est une affaire qui ne nous regarde pas, lui. Mets-moi l'agence immobilière. Et bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ça va très bien, et vous? Vous aurez pas, mais ça va très ouais, bien. J'arrive. Vous aurez pas un petit peu d'argent pour moi? Pardon? On n'a rien compris, monsieur. Hein? Je dis, vous auriez pas un petit peu d'argent pour moi? On a déjà pas d'argent pour nous, monsieur. On est pauvres, monsieur. On est pauvres. T'entends, je te dis à tout à l'heure, ok? Désolé, monsieur. On est où là, Sterling? On demande de l'argent comme ça alors qu'il a une belle voiture. C'est n'importe quoi, Sterling. Je suis d'accord. Nous prend pour des pigeons. Bon, j'ai toujours pas trouvé l'agence. Attends, l'agence immobilière, c'est-à-dire. Elle était, me semble-t-il, dans mes souvenirs, en face de l'unicorne, non? Oui, comment va ma petite nièce préférée? Bah, ça va super bien, et toi, tonton? Ça va très très bien. Est-ce que tu as pu t'arranger et t'occuper de la petite affaire? Alors, mes gars ont voulu le faire hier, mais moi, j'attends, je voulais que tu sois là quand même. Oui, ben nous sommes là. Ok, bah écoute, on peut organiser ça maintenant. Est-ce qu'elle est présente ou occupée? Bah j'en sais rien, essaie de l'appeler, d'organiser un rendez-vous entre avocats et tu me dis si elle est là. Ça me paraît, on va essayer parce que je crois qu'elle nous a bloqués.
Ah. Et elle répond plus quand on l'appelle. Bah, je vais essayer. Attends, je te rappelle. Très bien. Oui, allô. Ouais, tonton. Oui. Viens à la planque. Pourquoi? Bah, pour discuter du plan. Ok, on voit. Mais elle est là ou pas? Bah, j'en sais rien, moi. Je suis pas appelée une avocate, enfin. Très bien. Envoie-nous, la direction. Ok, tout de suite. Bon, elle ne répond pas, Cooper. Et cela m'embête grandement, si tu voulais mon avis, mon cher Cooper. Je trouve ça étrange que cette dame ne me réponde plus au téléphone alors que le courant quand même passait bien entre nous. Je suis d'accord, Sterling. Je vais essayer de l'appeler. Bon, allons organiser un petit plan avec Effie. Et après, oui, par rapport, allons voir Monsieur Tanaka. Est-ce que notre client vous a répondu, Sterling? Ah ben, j'ai pas son numéro. Eh ben oui, mais il faut, je te l'ai donné trois fois tout à l'heure. Mais le McCormack, j'écoute. Oui, bonjour Monsieur McCormack, comment allez-vous? Bien, vous-même. Eh ben, écoutez, ça va très très bien. Nous venons aux nouvelles, et nous venons aussi, si possible, récupérer tout de même une partie de l'affaire en termes monétaires pour pouvoir survivre ici même. Absolument. Écoutez, je suis actuellement à la Pacific Standard, si vous voulez passer, on règle tout ça. Écoutez, je finis un rendez-vous et nous passons juste après. Ça marche, à tout à l'heure, je vous attends. À tout à l'heure. Ok, on va régler les histoires. Non, le problème c'est qu'on a réglé deux affaires sur trois en sa faveur. On va donc demander 60 000, je pense. Sterling, je pense que demander... Oui, allô? Oui, vous en avez pour combien de temps, en fait? Écoutez, c'est un petit contretemps d'avocat, nous connaissons la loi, monsieur Tanaka, nous en avons pour, je dirais, 10 petites minutes. Demande-lui l'adresse. Le problème, c'est que là, vous me faites attendre, mais j'aime pas attendre. Mais n'attendez pas alors, monsieur Tanaka. Demandez l'adresse, Cooper, demandez l'adresse. Et l'adresse aussi, parce qu'on n'arrive pas à la trouver sur le GPS, monsieur. L'adresse de l'agence immobilière? Oui. Elle est en face du Bahamas. Ah, en face du Bahamas, très bien. Bah, c'est noté, monsieur. Mais n'hésitez pas à vaquer à vos occupations. Je ouais, vous appelle une fois. J'ai envie de vous voir, en fait, maintenant. Oui, bah, j'entends bien. Écoutez, bah, on arrive dans pas longtemps, monsieur. D'accord. À tout de suite. Je vous appelle. Vous savez, être avocat, bonsoir, c'est bonsoir, aussi bonsoir, l'image, vous savez bien. Bah, oui. Tonton, ça va? Oh, ma petite défie, tiens, prends-moi dans tes bras. Elle vient me faire un gros câlin. Ah, c'est bon. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va, comme t'as vu, j'essaie de me mettre en beauté aujourd'hui, j'essaie de changer un peu. Mais tu es toujours en beauté, tu es toujours en beauté. Ravissant, ravissant. Tu es toujours en beauté. Ah, merci tonton, toi aussi, t'es toujours super beau. Attention, t'as une petite moumoute là. Ah, vas-y, tu te laisses la retirer, voilà. Juste à titre informatif, désolé, je vous coupe le. Coupez-nous, monsieur, coupez-nous. Demain, je change de téléphone, je vous préviens. Pourquoi? Parce qu'on t'appelle trop? Non, en fait, j'ai oublié d'appeler en masqué. Et t'as appliqué qui, du coup? Pour les papiers que tu voulais pas faire. Dites-moi, ma petite fille, est-ce que tu connais Tanaka? L'immobilier, Jackie Tanaka. Jackie Tanaka? Oui, oui. Oui, c'est le monsieur de l'immobilier. Il a l'air de... Il nous parle mal. Ah oui, il a mal parlé. Ah bah écoute, Sterling, il m'a dit, venez tout de suite, j'aime pas qu'on me fasse attendre. J'ai fait, ben vous allez attendre, monsieur, je suis pris dans un rendez-vous urgent. Ouais, tu sais comment je réagis face à ce genre d'individu? Oui, dis-moi, Sterling. Tu le sais? Oui, je le sais, mais dis-le-moi quand même, voilà. Rappelle-le-moi, Sterling. Parce que j'aimerais pas que ça tourne au vinaigre. Oui, mais je sais. Parce que pour son pipe, moi, les gens comme ça, tu sais très bien que ça m'agace. Je le sais, Sterling, je le sais. Comment vous aurez réagi? Oh, vaut mieux pas savoir, monsieur. Vaut mieux pas savoir, monsieur. Vaut mieux pas savoir. C'est tellement violent que, ouais. Faites attention, monsieur, je pense qu'il y a des choses à ne pas voir dans la vie. Ok. Exactement, monsieur. Alors, t'as pu voir ou pas si la tepue était là ou pas? Elle nous aime pas. Elle nous aime pas, donc elle ne décroche pas. Bah, de l'avocat. Quelqu'un connaît l'avocate, elle s'appelle comment? Lily Harley. Harley. Ok, vous avez son numéro ou pas? Ouais, je l'ai. Vous êtes ami avec elle ou c'est juste un numéro que vous avez comme ça? Moi je l'avais rencontré parce qu'elle chantait, mais au cas où pour le label, mais du coup jamais une nouvelle. Bah on peut utiliser ça du coup, non? Ah oui, c'est bien ça. Oui, c'est une très bonne idée. Le seul problème, ouais, mais le seul problème c'est que du coup si ton label il est lié à moi, c'est compliqué. Hein. Bon, sinon je dis juste que j'ai des problèmes, j'ai besoin d'un avocat et que j'aimerais la rencontrer. Ça c'est une bonne idée, c'est son boulot primaire. Hein. T'as des pliés en otage et puis c'est tout, c'est ça arrive dans la vie. Ouais. Oui, il n'y a pas que des otages dans la vie, monsieur, vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi des preneurs d'otages, hein, Sterling. Il y a aussi des preneurs d'otages. Oui, il faut le savoir, ça, il faut le savoir. L'un sans l'autre, ça va pas ensemble. Est-ce que vous pouvez l'appeler, dites-vous, pour être sûr qu'on soit bien bloqué? Écoutez, je peux essayer de l'appeler. Hein. Et vous lui dites que vous avez une petite affaire à régler, que vous avez besoin d'une avocate hors pair comme elle. Elle aime bien qu'on lui cire un petit peu les pompes. Dis-lui que tu as un problème avec un de tes artistes et que ça va aller en contentieux. On va pas tarder à aller voir Monsieur Tanaka et on va lui dire en face qu'on ne changera pas d'affaire pour autant. De toute façon, on dormira dans la rue comme on l'a toujours fait, Sterling. Mais non, vous dormez ici, tonton. Oh, oui, mais on veut pas attirer les problèmes. Ah, ça oui, c'est sûr. Ouais. Elle répond ou pas? Et pour l'instant, ça sort dans le vide. On va pas tarder à vous laisser pour aller voir Monsieur Tanaka. Pourquoi cet homme sortirait d'une arme? Dites voir. Il est pendu, peut-être.
Il est tendu. Eh ben, allons voir Monsieur Tanaka. Allons voir Monsieur Tanaka pour régler cette petite affaire. Je te laisse ma petite Effie, on va voir Monsieur Tanaka pour régler cette allez-y, affaire. Allez-y, apparemment elle est pas là depuis donc. Ouais, voilà, tu nous tiens au courant, d'accord? Ok, ça marche, à plus tard. Bisous. Tonton, oui. Je suis un peu malade, donc je pense que je vais pas rester tard. Oui, y a pas de souci, je comprends, on est tous fatigués ici. Ouais, non, c'est surtout que j'ai mes règles. Oui, y a pas de souci, je comprends. Ah, c'est pour ça cette couleur rouge sur toi aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais. Sterling, voyons, Sterling. C'est un signal, c'est un signal. Soyez gentlemen, voilà. On y va. Passez une bonne soirée. Bon, allons voir le monsieur Tanaka. Oui, allons voir monsieur Tanaka. Bonsoir, messieurs. Dis-lui qu'on arrive, Cooper. Oui, hello. Bonjour, monsieur Tanaka, nous arrivons. Ça fait déjà 5 minutes que vous me dites ça. Donc... Non, mais là, nous arrivons, nous sommes sur la route, monsieur Tanaka. Ok. À tout de suite. Il va pas commencer à nous casser les couilles. Oui, il commence, il me saoule déjà. Au pire, on lui rend son appart. Je vais en faire du sushi, moi, du Japon. Allez, l'agence immobilière, s'il te plaît. Ni une, ni deux, c'est bien. Ni trois, ni quatre, Sterling. Allez, c'est parti. Je t'ai mis le point. Oh là. Vous inquiétez pas, Sterling. Vous savez, plus on est dans cette ville, plus je récupère mon contrôle. Oh, j'ai été flashé, Sterling. Ça va me coûter une canette. Une canette, Sterling. Bon, monsieur Tanaka, il a pas intérêt à nous marcher sur les plates-bandes. Si tu veux mon avis, mon chapeau. Je veux ton avis, Sterling. Je veux toujours ton avis, Sterling. Oui, mais je te l'ai donné. Je te l'ai donné et tu le prends. Et je le prends. C'est un bel avis, Sterling. Je sens qu'il va être chiant, le Tanaka. Oui, bonsoir, monsieur. Nous finissons un rendez-vous avec une personne impliquée apparemment dans l'histoire et nous sommes à vous, monsieur. Parfait, mais prenez tout le temps qu'il vous faudra. Je suis totalement désolé, vous en faites pas. Très vite, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonsoir, suivez-moi. Je vous en prie, installez-vous. On s'installe, monsieur. On s'installe. Bah, vous êtes installé vite, monsieur Sterling. Ben, il m'a installé, je m'installe. Oui, mais il a raison. Dites d'auto, monsieur. Dis donc, c'est un grand écran que vous avez là. Un très grand écran. C'est pas le sujet, j'aimerais juste. Comprenez que je suis un peu mécontent de savoir ce qui se passe actuellement. Il s'avère que vous défendez quelqu'un que je n'apprécie pas. Moi, personnellement, ça me pose un très gros problème. D'accord. Bah, merci de nous l'avoir dit, monsieur. Bonne journée. Alors, attendez. Il n'y a pas de souci pour ça. Il n'a pas fini, Sterling. Il n'a pas fini. Si autant, pour moi. Autant pour moi. Si vous voulez défendre cette personne, il n'y a aucun souci. Sauf que notre arrangement, pour moi, il ne me sert plus à grand-chose. Si vous défendez quelqu'un que... C'est quoi notre arrangement? Monsieur, lisez-vous dans l'avenir, monsieur. Avez-vous une boule de cristal, monsieur? Vous comprendrez donc que c'est difficile de savoir qui vous aimez ou qui vous n'aimez pas dans cette ville, monsieur Tanaka. Mm-hmm. Comprenez bien que rompre un contrat avec les meilleurs avocats d'une ville sous prétexte qu'on aide des gens que vos amis n'aiment pas, ça paraît compliqué. Qui sont vos amis, monsieur? Les propriétaires du Drift Motors. Monsieur McCormack, donc? Non, bien sûr que non. Mais le juge a décidé autrement, monsieur. Donc le propriétaire est monsieur McCormack. Le juge a vu un document qui est falsifié et... Il n'y a pas de document falsifié, monsieur. Oui, on travaille qu'avec du vrai et des vraies signatures, monsieur. Mais dont la signature du président, nous sommes avocats, nous connaissons la loi. Donc vous dites que le président est un falsificateur, monsieur? Non, le président n'a pas compris ce qui se passait et a donné des papiers à quelqu'un qui l'a. On s'en fiche, on n'est pas là pour parler d'un sujet qui ne concerne que notre client et nous-mêmes. Qu'est-ce que vous attendez de nous, monsieur? Qu'on vous rende l'appartement dans lequel on n'a jamais été, peut-être? Bah, écoutez, moi, je pars du principe où vous n'avez pas de loyer parce que j'avais décidé que vous défendrez mes... Non, on a décidé qu'on défendrait vous et vos employés, ce ne sont ni vos employés ni vous. Donc jusqu'ici, nous sommes toujours dans le contrat, monsieur. Eh bien écoutez, moi je considère que notre contrat est rompu, d'accord? Parce que vous ne défendez pas mes droits. Si je considère que mon contrat est rompu, mon contrat est rompu. Donc vous allez soit vous décider de payer votre loyer comme tout le monde, soit... Oui, dites voir, continuez. Oui, ben, soit quoi, monsieur? Oui, soit quoi, monsieur? Non, il n'y a pas de soi, en fait. Il n'y a pas de soi. J'ai très bien compris. Vous voulez qu'on paye un loyer? Oui, tout à fait. À combien est votre loyer, monsieur? Aujourd'hui, on est à 2500 de loyer. Très bien, vous pouvez annuler, monsieur. Passez une bonne journée, gardez votre appartement. De toute façon, il pue. Complètement malade, hein. Non, on n'a jamais été dans son appartement. Oui, son appartement de merde, hein. Je me permets de dire que c'est un appart de merde, hein. Ils se ressemblent tous les uns aux autres à un appartement de chiottes, mon cher Cooper. Allez, on y va. Il a trop cru qu'il allait nous mettre une pression. Oui. C'était drôle. J'ai rigolé, Cooper. Tu veux mon avis? J'ai trouvé ça drôle. Et je suis bon joueur, mais j'ai envie de mettre un coup de pression à ce petit bâtard. Ne bouge pas. Oui, vas-y. Oui, ma petite fille, est-ce que tu peux t'occuper d'une petite affaire vite fait? C'est moi? Le monsieur Tanaka. Oui. Tu peux prendre une ou deux de ses dents ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a mis fin à un contrat sous prétexte qu'on protège quelqu'un qu'il n'aime pas, et ça m'énerve. Vous protégez qui? On protège monsieur McCormack, banquier. Ok, t'es avec lui là ou pas? Oui, il est à l'agence immobilière, il est là. J'arrive. Très bien, elle arrive. On ne sait pas ce qu'elle va faire, mais elle arrive.
Oui, allô. Oui, vous allez bien? Oui, mon Cooper. Oui, je vous disais donc. Dites-moi. Qui serait bien finalement? Oui. C'est Monsieur Tanaka qui est sorti là-bas, non? Oui. Oui, on faut le prendre en filature, Cooper. Oui, on prend en filature. Attends, on prend en filature. Attends, on voit. Oui, j'arrive. Tu m'entends? Tu m'entends et toi? Oui, je lui envoie un message. On peut porter plainte contre lui pour tentative d'obstruction à la justice et tentative de pas de raquette mais de comment on dit de corruptionnage. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit qu'on a oublié notre porte-case et que nous revenons. Oh, je crois qu'il est en train de se faire prendre, si je puis me permettre. J'aime bien l'expression. Oui, je crois qu'il est en train de allons se faire voir prendre. De plus près. Allons voir de plus près, mon cher Cooper. Faisons ça discrètement, mon Cooper. Mais je ne suis non, Sterling. Je suis fatigué. Ou alors c'est des amis à lui qu'il a appelé. Pourquoi perdait-il des amis? Ah non, ben non, on est payé, il a l'air de se faire capturer. Ah oui, ben ça c'est embêtant. Ou pas, non, il est monté, c'est peut-être des amis à lui, Cooper. Peut-être des amis à lui, Sterling. Et la moto en face, c'est des amis à lui. Écoutez, je ne peux pas tout savoir, mon cher Sterling. Traversons et allons chercher nos attachés. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une moto en face. Il y a beaucoup de gens des casques ici. Il y a beaucoup de gens tout court ici, mon cher Sterling. Oui, je dois le reconnaître. Oui, bonjour. Monsieur. Ne vous inquiétez pas, elle est en haut. Elle est en train de gérer ça. Ah, c'est bien ce que je pensais. Oui, on avait bien vu alors. On avait bien vu. Ah, vous inquiétez pas. Bah, heureusement que je l'ai rattrapé pour lui dire quoi. D'accord, donc. Ah, sinon, il la laisse barrer. Vous vous occupez donc de tout. Bien sûr qu'on s'occupe de tout, monsieur. Arrachez-lui 2-3 dents. Oui, arrachez-lui 2-3 dents et faites-lui comprendre que. Des petites claques derrière la nuque, monsieur. Voilà. Ok, ok. Je puisse t'avoir que c'est un connard. Et un petit doigt dans le pétou, monsieur. Un petit doigt dans le pétou. Non, vous inquiétez pas, ma nièce s'en occupera. Elle aime bien les petits doigts dans le pétou. Elle aime les pétous, elle aime les pétous. Vous pouvez le faire. Ça la dérange pas. On connaît la loi. Moi, ça sera un point pour la justice. Tout simplement. Ok, pas de soucis. Dites-moi, où pouvons-nous nous changer pour moins connaître la loi tout de même? Oui. Pour avoir une apparence plus casuelle. Oui. Monter sur mon véhicule. À deux. Non, un seul. Il y en a un qui va avoir le point sur le GPS là. D'accord, très bien. Vas-y. Oh là là, okay. Je suis bien lancé. Vous l'avez là, c'est bon? Oui, il est bien lancé. Oui, je l'ai. Je mets mon casque au cas où. C'est juste en face, c'est dans 300 mètres là. Nickel. Eh ben on y va immédiatement. On y va, on va prendre une tenue un peu plus adéquate. Oh, t'as de l'argent ou pas, mon petit Sterling? Oui, j'ai quelques sous. Ça coûte combien d'ailleurs? Ça coûte combien? C'est $50. Et j'ai pas. Bon, allons à une banque. Alors merci, monsieur. Très belle boutique au demeurant. C'est une boutique chic. Bah, dis donc, qui vend des clous. Oui, j'ai des clous. Regardez mon oreille, Cooper. Retirez ça, monsieur. Regardez ça mon oreille aussi, Sterling. Oui, ça vous va très bien, Cooper. Merci, mais oui, mais je vais pas acheter. 24. On m'appelle, mon petit Sterling. C'est la merde, hein. Oui. Non, mais ils attendent. Le tonton? Oui, d'Ivoire. Ton contrat t'attend. Oui, on est en train de se changer là, on arrive. Oui, c'est bon, moi je suis parti, hein, mais il suffit que tu ailles, c'est bon. Ton contrat totalement gratuit, t'attends. Donc je fais quoi? Je vais le voir avec un masque ou pas? Non, bien sûr que non, tout est réglé. Tu vas le voir, tu lui dis bonjour, je viens récupérer mon appartement, signer mon contrat et tout est bon. Nous arrivons alors. Très bien, à tout à l'heure. Merci, mon cher Sterling. Oh, t'es magnifique, ce cher. Oui, mais je pense que ça ne suffit pas pour la discrétion, Sterling. Oui, c'est vrai. Mon Sterling, comment faisons-nous pour retrouver... Je ne sais guère. On doit retourner signer le contrat, c'est gratuit et c'est non masqué, elle m'a dit. C'est trop tard. Il faut retrouver Sterling. Bon, on va y retourner. Oui, ma petite épouse. Oui, allô, tonton. Il décroche pas au téléphone, celui-ci, hein. Allô, on voit, ça sera fait pour oui, la prochaine. Oui, tu m'entends? Oui. Il décroche pas au téléphone. Ah bon? Bah oui. Et donc... bah va à l'agence directement. Et t'es sûr que je ne crains rien? Ah oui, parce que dans tous les cas, je lui ai dit que s'il faisait quoi que ce soit, je faisais exploser son agence et je lui arrachais la queue, donc... Très bien. Bon bah j'y vais alors. Très bien. Attention, Merci. On va récupérer nos porte-caisses, on les a oubliés là-bas, Effie. Oui, je les ai vus. Connaît-il Cooper? Elle a eu un petit coup de pression, nous allons récupérer notre attaché-caisse et on est bien. Et je crois qu'on va récupérer notre appartement. Ah bah il est là, regarde, il s'en va. Bah dis donc, c'est toujours impressionnant ça. C'est le karma. C'est toujours très impressionnant ça. Ça lui servira de l'effet. Mais il est où là? Mais il est partout, dans le sol, regardez. Waouh! Il est en train de mourir, Cooper. Ah bah il a atterri là-bas, voilà. Bonjour monsieur, vous allez bien? Il est mort. La justice est très puissante. La justice est très puissante. Je pense que la justice est très, très imposante, mon cher Cooper. Je pense que la justice, tu as... Tu as réglé son compte, mon cher Sterling. Vous savez, il faut pas s'en prendre à la justice, Cooper. Oui, mais je sais, Sterling, c'est ce que je me tue à vous dire. Voilà, j'ai toqué. Oui, bah moi aussi. Et de toute évidence, je crois l'avoir vu dehors. Et ma petite Effie. Oui. On a un problème.
Dis-moi, tonton. La personne est partie en courant. Elle est montée dans une voiture. La voiture, elle a fait beaucoup de cascades. Il n'y a plus personne dans la voiture. Ah, il a dû faire une petite sieste. Tu devrais l'attendre à la voiture, peut-être. Oui, je pense. Mais pourquoi est-il parti en courant alors qu'il nous a vus? Peut-être qu'il a eu un peu peur quand même, hein. J'ai quand même menacé de lui mettre ma MP5 dans le cul, hein. Oui, mais on voulait notre porte-case. On va l'attendre. Ah, il y a son téléphone au sol, dites donc, Sterling, regardez. Très bien, ma petite effiche, je te tiens au courant. Bon, bah, on va l'attendre. Il est censé pas être très loin. Il a dû faire une petite sieste, paraît-il. Bonjour, monsieur Tanaka. Monsieur Tanaka, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Ça pourrait aller mieux. Monsieur Tanaka, alors... nous avons oublié les porte-case en haut. Oui, est-ce qu'on peut réfléchir à notre accord? Parce que finalement, on y tient, cet appartement. Suivez-moi. Oui, on vous suit, monsieur. Mon cher Sterling, sans mon porte-case, la loi n'est plus la même. Ah oui, il y a tous mes articles de loi. Il y a toute ma vie, monsieur Sterling, vous le savez. Il y a même des photos. Oh ben regarde ça, elles sont là-bas. Oh ben dis-donc, oui, ben, ça tombait très bien. Oh ben voilà. Eh ben voilà, c'est... Oui mais bonjour monsieur Tanaka. Bonjour monsieur Tanaka, on connaît la loi, monsieur. Oui, j'ai compris. Connaissez-vous la loi, monsieur? Je connais la loi. Nous étions partis sur un très mauvais, malheureusement, désaccord au sujet du contrat, monsieur Sterling. Voilà, hein. Je pense que nous sommes d'accord dessus. Pouvons-nous rediscuter tout ça, monsieur Tanaka? Sûrement. On veut un appartement un peu plus grand, d'ailleurs. Monsieur Tanaka a l'air fort agréable, hein, mon Sterling, oui, si tu veux, mon ami. Très agréable, très à l'écoute. Très à l'écoute, Sterling. Je me permets de m'asseoir parce que j'ai un peu le popotin en feu en ce moment. Apparemment, vous connaissez du monde intéressant, monsieur. Nous connaissons la loi, monsieur, qui est quelque chose de très intéressant, monsieur. Très intéressant, la loi. Ah bon, vous connaissez la loi? Oui, nous connaissons la loi, monsieur. Alors, parlons appartement, monsieur. Donc, pour vous, menace sur des gens, c'est la loi. Pardon? On ne comprend pas ce que vous dites. On ne comprend pas, monsieur. Nous sommes juste venus récupérer nos porte-case. Mm-hmm. Et notre appartement, monsieur. Suite à un contrat que vous avez négligemment effacé par erreur, ça arrive, monsieur. D'ailleurs, on aimerait que vous fassiez un papier, monsieur. Oui. Qui garantit... Comment ça? Qui garantit que vous arrêtez de nous prendre pour des cons la prochaine fois, monsieur? Oui, voilà. Nous garantissons de vous protéger, vous, comme convenu, et vos employés, mais pas le reste du monde qui vous appartient, monsieur Tanaka. Voilà, vous comprenez? Voilà. Comme j'ai expliqué à la demoiselle qui est venue tout à l'heure. Je ne connais pas, vous parlez. Nous ne connaissons personne ici, monsieur. Ah, vous connaissez personne? Non, nous connaissons que la loi, monsieur. De quoi vous parlez, monsieur? Vous connaissez personne, vous êtes sûr et certain, vous connaissez personne. Ah, nous connaissons que la loi. De quoi il parle? On parle d'appartement, pas de personne, là, monsieur. Oui, je parle de personne qui est venue juste après vous. Vous ne connaissez personne, vous êtes sûr et certain. Ah oui, que s'est-il passé, monsieur? Dites-nous. Ah bah si vous la connaissez pas, écoutez, c'est très bien. Je vais vous raccompagner jusqu'à la sortie. D'accord, donc vous nous... Pas d'appartement, monsieur, non, c'est ça? Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bah oui, c'est pas grave. Très bien. Bah oui, bah attends, le porte-case. Ah oui, le porte-case, c'est important. Oui, n'oubliez pas votre porte-case. Il faut revenir. J'arrive avec une grenade ou pas, du coup? Oui, il fait le malin. Ok, j'arrive. Monsieur? Oui, attendez, je cherche mon... C'est bon. Eh bah dites donc. Bon, que s'est-il passé, monsieur? Monsieur? Oui, je vais vous raccompagner vers la sortie, s'il vous plaît. Mais dites donc qu'ils sont habillés comme vous. Ah oui, très bien. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Bonjour, monsieur.